Masnoop, c'est un cheval qui a été élevé pour les courses de pur sang au galop. Il a été acheté par Ashakab Racing aux ventes de Yearling. Ses qualités physiques ne lui permettaient pas de performer sur les hippodromes et donc il fallait lui trouver un meilleur avenir, plus adapté à son caractère et à son physique. Et on sait que c'est possible avec les écuries de reconversion. Les chevaux ont une importance et c'est important pour le Cheikh Johan, qui est le propriétaire d'Ashakab Racing, de promettre une belle vie à l'ensemble des chevaux, même s'ils ne sont pas assez performants. Masnoop est arrivé au Pony Club il y a un an à peu près, un petit peu moins d'un an. Et on a pu commencer à le travailler dès son arrivée, quoi. En règle générale, c'est pas le cas. L'avantage de Masnoop, c'est qu'il a un super mental. C'est un cheval qui est très froid dans sa tête, qui est gentil, qui bouge pas. Et c'est un sacré avantage d'avoir des chevaux d'enseignement comme ça, quoi. À partir du moment où le mental est pas trop chaud, on peut en faire avec le temps qu'il leur faut, mais on peut les revenir très bien pour des chevaux d'enseignement, d'obstacles, de balades. Le travail qu'il faut effectuer avec les chevaux reconvertis, c'est que déjà, il faut leur apprendre la base, hein, accepter les jambes, puisque les chevaux de course, et encore une fois, c'est un monde que je connais pas bien, moi, je récupère derrière ce monde. Mais quand je vois les... même à l'entraînement ou quand ils sont en course, voilà, ils ont la jambe ici, quoi. Donc ils n'ont pas le contact. Et ça, il y a des chevaux qui l'acceptent, il y a des chevaux qui l'acceptent moins. Pendant un an, on lui a fait découvrir plein de choses et on a pu voir ce qui pouvait lui correspondre, ce qu'il aimait faire. Masnoop a toutes les caractéristiques pour faire un très bon cheval de police montée. Le mental, la corpulence, la force. Et il partira très probablement du côté de Tarbes en formation spécifique. Il a peur de vraiment rien. Voilà. On l'a déjà emmené en ville, sur la route, passer des gros camions. Il a peur de rien. Donc c'est vraiment, je pense, ce qui va lui convenir. C'est à contre-cœur que je me sépare d'un cheval comme ça. Ça, c'est un pur sang de 6 ans. 6 ans. C'est quand même exceptionnel. Les pur sang, ils peuvent s'adapter à toutes sortes de disciplines. C'est des chevaux qui sont très généreux. C'est un vrai exemple de polyvalence, en fait, parce qu'à la fois, il a été aux courses et aujourd'hui, il se dirige vers encore une nouvelle vie, qui est celle peut-être de cheval de police montée. Donc en fait, ça démontre toute la polyvalence des pur sang.